Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui spécial, on va jouer en duo Q, Paul et moi. Oh mon dieu, je dois absolument couper. Bon, c'est pas grave. Donc, on va jouer ensemble. Ça fait très longtemps qu'on n'a plus joué ensemble. On va aller bot lane. Alors, lui va sup, moi je vais ADC. Donc, je prends Lucian. Là, on prend un truc assez classique. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Je ne suis pas en stream, au cas où. Là, c'est juste une vidéo YouTube. Parce que Paul voulait faire une vidéo YouTube. Sauf qu'il n'est pas sur Skype, du coup, je suis tout seul à parler. Bon, merci Paul. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Qu'est-ce que j'allais vous dire? Ouais. Alors, je fais plus beaucoup de stream, mais c'est normal. C'est parce que j'ai beaucoup de choses à faire, entre autres mes cours en ligne en plus, le site que je dois administrer. Je m'occupe aussi des recrutements pour l'instant. Et je m'occupe beaucoup de choses. Du coup, j'ai plus la motivation le soir à 20h de stream, et même pendant la journée en fait. Parce que pendant la journée, bah, je suis un peu occupé. Et du coup, voilà. Alors, je n'arrête pas le stream, je tiens à dire, c'est juste que pour l'instant, je suis un peu overbooké. Donc pour l'instant, c'est décembre 2014, hein, au cas où, si vous voyez la vidéo plus tard. D'ici là, j'espère que j'aurai repris le stream. Et j'ai beaucoup de choses à faire plutôt. Alors comme vous pouvez voir, là, ici nous avons notre cher Hervé. J'ai mis une petite photo d'Hervé pour que tout le monde se rappelle d'Hervé. Pour ceux qui ne savent pas qui c'est Hervé, eh bien il fallait être là pendant les 24 heures de stream. C'était vraiment sympa. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, donc on part sur un truc classique. Hein. Hop, non, c'est là. Voilà. Alors on part sur un truc classique, Lucian Thresh, même si c'est pas logique, vu que Thresh a volé la femme de Lucian, du coup, enfin volé, a tué la femme de Lucian. Alors je vais vous dire ce qu'il y a en face. Hop, voyons ça. Voyons ça. Alors, chez nous, le Brand est Silver 3, le Nasus est Silver 2, le Kha'Zix est Gold 5, moi je suis Gold 5, et Paul est Silver 3, et sur les autres, Warwick est Gold 5, Thresh est Gold 5, Caitlyn est Silver 5, Ryze est Silver 3, et Panthéon est Silver 1. Oh, bah ça va. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait comme AD? Ouais. Je vais vous le montrer. Oh mon dieu. Hop. Donc voilà un peu ce que ça donne. Alors, Akali-Kata. Ah oui, notre Brand qui a de l'attaque de mage. Ok. Des attaques. Ok. Il s'est trompé de rune. Très bien. Ouais. C'est pof pof. Et les autres, Caitlyn par exemple. 15 d'attaque, 12 magic résist, 9 d'armor. Moi, ça va, ils ont pas. C'est pas dégueu. Le Thresh. Le Thresh joue Lee Sin, ok. Avec des runes Lee Sin. Alors, 11 d'armure, magic résist, armor par level. Et l'attaque de mage. Ok, donc il va juste poke pendant une éternité. Donc c'est cool. Et Warwick, Gold 5. 15 d'attaque speed. Ok. Ouais. 12 magicien, 9 d'armor, 6 d'attaque. Ouais, ça va. Ah, par contre, il est jungle, mais il a pas pris les masteries pour faire plus mal. Ok. Ok. Ouais, c'est bizarre, ces maîtrises sont bizarres, mais ok, très bien. Ah! Voilà, attendez. Mais.
Dis-le. Hop. Voilà, on est parti. Bon, sinon le match-up, Caitlyn Thresh, ouais, ça devrait aller. Ça devrait bien se passer normalement. Il n'y aura pas de gros problèmes, je pense. Hop. J'ai oublié le trinket. Ok, donc Lucian, au cas où, je joue assez souvent. Donc commencez par le A, ce qui fera un peu plus mal. Maxer le A d'office. Moi je commence, donc je fais le A, le E, le W. J'utilise pas beaucoup le W, je devrais l'utiliser parce que ça augmente la vitesse de déplacement. Quand on attaque la cible, quand on blesse la cible marquée, pardon. Parce que quand on blesse la cible blessée, ça ne marche pas. Ouais. Oh, Paul. Et voilà, il est mort. Ah non, le rail ça a commencé avec le mauvais truc. GG. Ok. Pourquoi pas. Rise mid. Ah ouais, parti en top. Rise mid, oui, ça fait longtemps. Oui, c'est bon, Paul. C'est un peu oppressant. Hein. Ok, très bien. J'ai très mal joué. J'ai été un peu en... Ok. Ah, ils vont être chiants. Va être un peu chiant, ouais. Ça devrait aller. Là, elle me veut, hein. Je la comprends, Caitlyn. Donc, chaque oui auto-attaque, je crois, la prochaine attaque sera un coup critique d'office. Donc, ça va être un peu chiant. Ça devrait aller. Mais en late en tout cas, ça, je ferai plus de dommages qu'elle me fera. Normalement. Donc ils ont pris de l'avance par rapport à nous. Ça, c'est un peu chiant par contre. Ok, ça me touche. Ok, très bien. C'était pas glorieux. C'était bien tenté de la part de Paul, mais au final c'était pas très worse. Ouais, j'ai pas le. Par contre là, si je meurs, je rigole. Ok, voilà. Non, 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 non. Oh, Paul. Ok, très bien. J'ai failli crever bêtement. Clairement, ça n'aurait pas été, ça n'aurait pas été worse, clairement. Clairement. Donc là, j'ai un super doublé. Donc
Paul qui traîne trash depuis sa sortie, je pense. Du coup, il s'en sort plus ou moins bien avec. Ça va. Alors, normalement, je préfère partir. Enfin, essayer d'avoir directement la BF, mais là, vu qu'on était un peu dans le mal, j'ai envie de dire. Il me restait plus de PV. Je vais partir sur la pioche, qui est un excellent item aussi, hein, pour. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? Ok, elle n'a pas acheté. Elle a acheté deux potions. Très bien, ça m'arrange. Ok. Ok, là elle a clairement très mal joué. Moi aussi, j'ai mal joué. Je pensais éviter le grab du trash. Non, pas du tout en fait. Du coup, c'est un peu nul. Ah, Paul va mourir, hein. Eh oui, Paul a voulu jouer avec le feu. C'était clairement pas worse. Ah, tu plaisantes. Voilà. Ok. Donc là, je me barre, évidemment. On va pas essayer de faire autre chose. Donc là, elle est très mal jouée, par contre, hein, la Caitlyn, parce que elle avait pas d'item. Elle avait pas du tout d'item, même. Elle a juste acheté deux potions. Du coup, elle pensait m'avoir, mais non. Surtout que mon passif, je rappelle au cas où pour ceux qui ne savent pas, c'est que comment je quand je lance un sort, la prochaine auto-attaque, en fait, c'est deux auto-attaques et dont la deuxième inflige 60 points de dégâts, comme ici. Donc c'est par rapport à votre AD, hein, évidemment, c'est la moitié. Qu'est-ce qu'elle a? Mais putain, mais elle achète rien. Je crois qu'elle attend juste pour la BF. Sauf que ça la met un peu trop mal. Je pense que c'est pas worth d'attendre la BF, absolument. Ouh. Et voilà. Encore une fois, ils ont très mal joué. Je veux pas dire le. Ils ont vraiment mal joué. Sais pas s'ils se rendent compte que vu que Caitlyn n'a pas d'objet, ils savent rien faire quoi. Ça rien. Clairement, je sais pas ce qu'ils comptaient faire, leur objectif dans la vie. Mais. En tout cas, c'était pas de gagner. Donc là, par contre, je vais attendre pour la BF. Donc on va essayer de. D'avoir la tour déjà. Ah là, ben voilà, ça c'est. Oh non, Paul. Casse-toi. Ok. Donc c'est ce que je disais. Et donc elle a attendu pour sa BF, donc c'est nul. Parce que. Ben, j'ai 5 kills, elle en a 0. Donc, c'est pas très utile, je pense.
C'est pas du tout worse. Ok. Quand un tout petit peu, je pense qu'à la prochaine vague, j'aurai les 1550 pour la BF. Et la poche, j'ai pas de mana. Ah non, ça c'était nul par contre. Non mais Paul. Bon, Warwick qui a ulti Thresh, enfin Paul, pourquoi pas. Ouais, j'ai plus de mana Kha'Zix, donc ça sert à rien. Je sais rien faire. Le top se fait complètement défoncer. Ça c'est un peu nul par contre. Mais c'est la vie. Donc s'il n'y a que le top, ça va. Moi je suis déjà à 5-0. Ça aide un peu. Voyons un peu les scores. 1-0, 1-2, 1-3, 0-1. Ok, c'est le Panthéon qui a 4-2. Qui a pas encore back. Ah ouais, ok, Nasus, qu'est-ce que tu fous. 0-4, ah ouais, ok, très bien. Ok, je comprends. Je comprends le principe. Mais pourquoi ils y vont sans moi? Ça, je comprends pas par contre. Ok, ça c'était des GG, Paul. Ça est-ce que. Ils ont eu un kill. Oh. Bon, je fais déjà très mal. Bon, là, c'est Paul qui l'a pris. Parce qu'évidemment, il ne sait que KS. Hein. Donc, Paul, si tu regardes cette vidéo, je t'emmerde. Pour la KS, évidemment. Sinon, je l'aime bien, hein, Paul, faut pas croire. GG. Il va vite. Ah putain. J'ai blessé le mana. Chier. Ah voilà, j'ai seulement le mana maintenant. Ah ok. Voilà, voilà, voilà. Je crois que c'est pas worse, faut back. Non, c'est pas worse. Oh le flash, c'était nul. Ouais, je sais pas ce qu'ils font. Pas besoin d'aide. Pas eu besoin d'aide, pardon. Donc clairement le Warwick, ce qu'il a fait, c'est... c'était nul aussi. Je dis pas qu'ils font que des moves nuls, mais là c'était pas du tout worse.
Oui, a voulu prendre notre aide en sachant qu'il y avait trois personnes qui étaient là. Bon, Paul et moi on a back, c'est pas ça, mais je pense qu'il aurait jamais dû faire ça, simplement. C'était un peu trop greedy. Ben là, je pars sans potion, c'est un peu nul. Donc, je vais. Normalement, je devrais vite back. Normalement. Ben là, t'as cru pas. Donc, le bolt de. Comment? Alors voilà, excusez-moi, j'étais concentré. Alors, la bulle de Lucian, c'est simple, vous commencez par que du, enfin, du gros burst, simplement. Donc, ça veut dire lame d'infini, statique, puis après. Comment ça s'appelle? Je n'ai plus. Yumu ou dernier souffle, ça dépend. S'il y a beaucoup de tank, je préfère dernier souffle. Sinon, je pars Yumu. Yumu qui permet de doubler donc votre ulti en fait, car vous tirez plus vite. Donc vous avez votre ulti qui va en double. Qui va en double. Qui proc en double. Donc ça, c'est intéressant. Je vais pas aller trop vite, mais si c'est une game perfecte, je rigole. Franchement, je serais très content, très fier, et très content. Mais je m'attends pas à ça, parce que je vais me faire tuer à un moment ou à un autre. Donc là, il faut encore prendre un peu plus cher, vu que j'ai. Le Zéphyr. Zéphyr? Le Zèle, pardon. Zéphyr. De quoi je parle? Tout autre objet. Je pense que je vais être focus, hein, simplement. Prendre le crabe. Enfin, il va prendre le crabe, vu qu'apparemment nous on n'a pas le droit. Ah oh, putain, il va nous voir, il va nous voir. Je crois qu'il. Oh non, je crois que c'est pas voir ça par contre. Il a flash, sérieusement. Bon bah. Donc là, la catine est vraiment au fond, elle a 95 creep, 1-7, bon, c'est pas beaucoup. Clairement, on va dire qu'elle m'a feed, hein. C'est plus simple. Ouais, go faire le Drake. Alors le Drake, bon, tout le monde le sait, mais je préfère le replay, ça donne des bonus vraiment super forts. Donc pour le répéter, hein, le
premier Drake, ça te donne 8% dégâts d'attaque et de puissance. Le deuxième, ça donne 15%. 15% aux dégâts des sbires. Non, 15% de dégâts aux sbires et aux monstres supplémentaires. Puis c'est plus 5% de vitesse de déplacement, plus 15% de dégâts autour et le bâtiment. Et enfin, le dernier, qui dure 3 minutes, il double tous les effets précédents. Donc ça fait très mal. Donc vous avez. Enfin, clairement. Je vais pas vous expliquer, c'est complètement worse. Beaucoup plus worse qu'avant, en tout cas. Où le Drake ne valait. Enfin, valait de l'argent, mais 1000 gold, mais sans plus. Alors, Caitlyn qui pense faire quelque chose, je pense. Pardon, excusez-moi. Voilà, comme des trucs naturels, c'est un peu nul. C'est pas grave. On va faire un call. Faut push mid, comme ça va les empêcher de faire autre chose. Le top par exemple pour un push. Mage. Donc Caitlyn ne fait aucun dommage par contre, ça c'est assez drôle. Ok. Ah, le top apparemment ça va pas. Voilà. Voilà, voilà. Bon. C'est assez simple pour l'instant, j'avoue. Je me foule pas trop. Alors, ils ont quoi? Donc là, ça doit devenir tank. Il fait full dégâts. Et lui, il fait de la résine magique. Pff, voilà, je prends du Yumu. Je vais partir sur Yumu. Je prends. J'améliorerai les bots. C'est parti. Bon, je crois que c'est un record, je crois. Je suis à 12-0, je pense que c'est un de mes records. Mais je ne sais plus, je pense que c'est 15 avec Katarina, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout même. Mais bon. Palapapam, palapapam. Donc là il va multi. Voilà. Donc ouais, on va back. Oui, ça va, j'ai compris. Donc on a Yumu maintenant. Donc ça veut dire que mon ulti va être beaucoup plus worse worth. Utile qu'avant. Bon là par contre il donne des kills à Caitlyn, ça j'aime pas.
Donc là, je pense que ça va me focus plutôt. Ça va bien me focus même. Ok, ils sont au top. Temps de faire ça. Intégré, ok. On peut avoir un raid, donc c'est complètement utile. Voilà, voilà. 3, 2. Ok, il y a le Drake. J'ai battu mon record. Nice. C'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est cool. C'est vraiment pas mal. Donc elle sera certainement sur YouTube, hein, clairement. Vu les games que je fais. Par contre là c'est mauvais, très mauvais. Ah non, je vais mourir. Bon voilà, 17-1, c'est un nouveau record, c'est nice, c'est vraiment cool. Qu'est-ce que je vais faire maintenant par contre? Je pense que je vais faire un... je commence à faire le GA, comme ça je pourrais être un peu plus agressif, du moins au TQ, au début. Bon, le Panthéon est très content de m'avoir tué. Moi, je peux le comprendre. 270 stacks en 28 minutes, c'est pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. C'est la moitié de ce qu'il devrait faire normalement. C'est un peu nul. J'ai un bon Nasus. Oh là là, j'ai du mal à parler, désolé les gens. Un bon Nasus, voilà. 28 minutes, il devrait être à 400 stacks à minimum, mais il s'est fait un peu ramasser au début, donc je peux comprendre son score. Ouais, mais... Ok. Bon, vu qu'on nous demande d'aller au bot... Ah bah j'ai assez pour le GA, donc... Hop, voilà, c'est parti. Ta-da-da, 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 ta-da. Je suis où c'est? Je suis plus de la team avec... Ah, il a 14-10. Ok. Oh. J'étais pas concentré. Faudrait qu'on push mid une dernière fois. Une fois pour toutes plutôt. Ok, j'ai... Ouais.
Voilà, on va les top. On va les pêcher top maintenant. Oh non, putain! Moi j'ai fail là. Ah bah adieu. Qu'est-ce qui est passé? Bon, tant pis. Tant pis. Voilà, j'ai complètement fait mon ulti. C'est beau. C'est la vie. C'était très joli. Ta-da-da, 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 ta-da-da. Bon, ça m'arrive encore souvent, ça. Non, je plaisante. Non, c'est rare quand je le fais, mais quand je fais, c'est je fais le bien, quoi. C'est vrai que je visais à côté, non, je vise complètement dans l'autre direction. Hein. Après tout. Par contre, la Warwick, t'es un peu nul. Ouais, ok, très bien. Bon, putain. Moi, je m'en fous. Ah, il est déçu. Bon, là, je l'ai pas raté. Bon allez, on back. Ah, j'ai le coutonné moi. Dis donc. Bon là, on a eu tous les Drakes. Donc, j'ai un autre jungle qui est très fort, je trouve. Bon, alors comme dernier item, j'ai pris Dernier Souffle. Alors j'hésitais avec, enfin j'ai réfléchi, j'hésitais avec le Sauve de Sang pour la régène, mais en fait, c'est pas si. Enfin, je n'en mourrai pas quoi. Je suis pas sûr. Parce que la Caitlyn, là, elle n'a pas de régène non plus. Il n'y a personne qui a de la régène à part Panthéon. Donc. Et vu que Panthéon part bouclier. Ah non, il part. Ah si, là. Le... Oh ouais, bon. Voilà. Par contre, là, il va multi. Voilà. Donc, je fais un peu mal, hein. Je sais pas si vous avez remarqué. On s'est gagné. Ah dommage. Voilà, c'était un peu facile. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi en tout cas je me serais très bien amusé. J'aurais beaucoup rigolé. C'était quand même assez simple, je tiens pas à le dire, mais. Je pense que vous pouvez me comprendre quand on fait du 20. Montre les stats. Allez. Je sais plus combien j'étais. Allez. Voilà. Bah quand on fait du 22-1, c'est assez simple. Ça devient assez simple, on va dire. Voyons les graphes. Dégâts infligés. Normalement, je suis très loin. Dégâts infligés au champion. Ouh, 40 000, c'est beaucoup. Dégâts physiques. Ouais, dégâts infligés.
Je fais 224 000 dégâts. C'est assez énorme. Mais voilà, en tout cas, je sais pas si ça vous aura plu. Normalement, donc Paul m'a déjà réinvité. Donc normalement, il y aura une suite à ça. Peut-être. On verra. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!